Bonjour à tous et toutes et merci de votre participation à ce cycle de webinaire ANAP. Le principe de cette vidéo est son challenge, vous donner en 20 minutes les éléments clés à avoir en tête pour vous lancer dans une démarche de mutualisation. Juste ce qu'il vous faut et uniquement ce qui est utile et nécessaire de connaître. Comme vous le savez, les pouvoirs publics sont convaincus que la transformation de notre système de santé et du médico-social en particulier ne pourra s'opérer sans le numérique. C'est pourquoi ils ont défini une politique ambitieuse et des moyens conséquents, à savoir 600 millions d'euros, et chargé ANAP d'accompagner la montée en compétences du secteur sur le champ du numérique. Ce cycle de webinaires destiné aux acteurs du SI dans les ESMS a un principe: limiter la théorie à ce qui est nécessaire et consacrer du temps à des échanges et partage d'expériences avec des experts. À l'issue de chaque webinaire, les participants doivent avoir appris des choses qu'ils pourront mettre en application au sein de leur structure. Ce webinaire est le troisième d'une série de quatre sur le thème de la pratique du management. Il sera suivi d'un webinaire d'approfondissement sur le rôle du DSI et sur la gestion des services rendus, notamment dans le cadre de la mutualisation. Passons au vif du sujet, un webinaire en trois parties. Une introduction qui permet de situer le périmètre des sujets traités dans ce webinaire. Une première partie, pourquoi et comment mutualiser. Une seconde partie, comment mener un projet de mutualisation. Une troisième partie, comment embarquer les acteurs métiers dans un projet de mutualisation, et enfin une synthèse, avec les éléments clés à retenir et une proposition de plan d'action que vous pourriez mettre en œuvre une fois de retour dans votre structure ou groupement. Tout d'abord, nous souhaitons partager avec vous des éléments clés indispensables sur ce qu'est la mutualisation. En effet, la mutualisation est la mise en commun d'objectifs qui se déclinent dans le cadre d'une gouvernance commune et dédiée en la mise en commun de toute phase d'un projet ou service du système d'information, dans lequel chacune des parties prenantes y trouve un avantage et qui permet, en dépassant un seuil critique, d'atteindre des ambitions plus grandes, à un coût marginal décroissant et une qualité accrue. Cette démarche peut être appliquée à quatre grands types de projets. Les projets d'infrastructure. Que les infrastructures soient externalisées ou non, le volume d'achat que permet un projet mutualisé représente un outil de négociation important vis-à-vis de l'industriel. Les projets liés au logiciel. Avec l'augmentation de la capacité de négociation vis-à-vis de l'industriel, une plus grande souplesse dans la gestion de licences, une diminution du recours aux avenants et aux commandes complémentaires, aux achats des prestations liées au projet, avec un besoin d'une définition de la répartition des travaux communs à tous les établissements et de ce qui relève des prestations liées à chaque établissement, et enfin l'organisation RH, qui nécessite une répartition claire et partagée du temps alloué aux tâches communes par rapport aux tâches spécifiques pour chaque structure du groupement. Passons maintenant à la première partie, pourquoi et comment mutualiser. La mutualisation des SI apporte de nombreux avantages aux porteurs de projets. Huit avantages ont ainsi été identifiés. Gagner en qualité de service, améliorer les services liés à l'exploitation du SI, avoir une prévisibilité des coûts, améliorer la qualité du service rendu aux utilisateurs, disposer des compétences RH nécessaires, faciliter l'acquisition et la mise en place de solutions numériques, rationaliser les besoins et demandes, obtenir un engagement accru du prestataire. Plusieurs leviers existent afin de s'assurer de la réussite des projets. Six sont ici identifiés. Une gouvernance stratégique équilibrée avec un pilotage opérationnel neutre, un cadrage initial du projet, des structures semblables et soumises aux mêmes contraintes, une complémentarité entre acteurs, des enjeux partagés et un intérêt mutuel à coopérer, une connaissance antérieure à la coopération. Nous souhaitons évoquer avec vous le programme ESMS numérique, piloté par la CNSA, qui est un levier pour l'accélération du développement du numérique dans le médico-social. Il invite à la mutualisation en incitant au regroupement des petites structures, à la mutualisation des compétences SI et à l'émergence de projets d'innovation. Il soutient la constitution de collectifs régionaux. Il doit permettre la mise en conformité des solutions existantes au virage du numérique, avec notamment l'interconnexion avec les projets socles et des exigences de sécurité et d'interopérabilité accrues, permettre l'équipement des petits ESMS en matériel informatique et en solutions logicielles DUI conformes à la feuille de route, permettre la mise en place d'outils de pilotage du niveau local au national et des organismes gestionnaires aux tutelles. Arrêtons-nous quelques instants sur la constitution des grappes dans le cadre d'ESMS numérique.
Comme indiqué plus tôt, le programme incite au regroupement des structures, à la mutualisation des compétences SI et à l'émergence de projets d'innovation pour la mise en conformité des solutions. Ce regroupement peut prendre la forme de GRAP. Une GRAP regroupe des organismes gestionnaires représentant des ESMS et réunis pour le programme ESMS numérique. Une GRAP peut être composée de structures publiques et privées. La mutualisation en GRAP suppose une formalisation simple, comme à travers un consortium, une convention, un GIE, un GIP ou encore un groupement de coopération sanitaire. À noter qu'à partir de 15 ESMS, un OG peut candidater seul. Nous souhaitons souligner et insister sur le fait que le sujet de la mutualisation dépasse le plan ESMS numérique. La mutualisation s'opère dans le cadre d'une trajectoire. Les actions et leur complexité sont graduelles, de même que le périmètre qui est mutualisé. Cette trajectoire est possible grâce à des démonstrations de valeur au cours du projet et à la montée en compétences des acteurs. Passons maintenant à notre second sujet à approfondir, comment mener un projet de mutualisation. Un projet de mutualisation comporte trois grandes étapes suite à l'induction de la démarche. Une étape de conception qui vise à définir l'objectif du projet poursuivi de manière suffisamment détaillée pour procéder à l'arbitrage du lancement effectif de la réalisation du projet. Une étape de construction, dite de build, où chaque sujet doit être adressé sur une dimension transversale entre les participants du projet et localement pour chaque organisation inscrite dans le même périmètre de démarrage. Une phase d'exploitation, dite de run. Les problématiques à aborder dans le cadre de cette phase doivent traiter, entre autres, du paramétrage technique et de l'administration, de l'exploitation, du support utilisateur ou de la maintenance. Il est indispensable de mettre en place une gouvernance adaptée, mobilisant les représentants de chaque structure dans le cadre d'un projet de mutualisation. Une telle gouvernance repose notamment sur un pilotage transverse pour permettre un pilotage global, sur des référents du projet de mutualisation qui font le lien avec les structures, sur des instances mises en place qui doivent permettre un pilotage opérationnel et stratégique du projet de mutualisation. À noter que le SI doit être documenté avec une liste des applications, son architecture technique, ses flux, pour pouvoir en piloter son évolution. Dans un projet de mutualisation, le DSI a un rôle central. Il a ainsi pour mission de définir et mettre en œuvre la politique informatique en accord avec la stratégie générale de la structure et ses objectifs. Il doit garantir la continuité du service informatique fourni aux utilisateurs et anticiper les changements et leurs impacts métiers sur le système d'information. En synthèse, ses principales missions sont l'élaboration de la stratégie et de la politique informatique, la mise en œuvre de la politique informatique et de la gouvernance du SI, la définition et le suivi des budgets de la DSI, la définition de la politique d'externalisation, l'organisation et le management de la DSI, le pilotage de l'organisation. Dans le cadre de ses fonctions, le DSI joue plusieurs rôles prépondérants dans un projet de mutualisation. Un rôle de maîtrise d'ouvrage, ou MOA, en interaction avec l'ensemble des parties prenantes du projet de mutualisation. La MOA peut être de deux types. Une MOA stratégique avec la définition de la stratégie du projet en lien avec la stratégie des acteurs, ou une MOA opérationnelle portant sur l'articulation avec les acteurs ayant un rôle dans la mutualisation. Il porte également un rôle de maîtrise d'œuvre, en charge de la phase conceptuelle du futur SI. Et enfin, un rôle de promotion et de communication du projet en interne. Nous souhaitons attirer l'attention sur l'enjeu et l'intérêt de mettre en place un plan de reprise d'activité, ou PRA, en particulier dans le contexte d'un projet de mutualisation. Un PRA est un document qui liste le minimum de dispositions que doit prévoir la structure pour assurer la reprise de l'activité de son système d'information en cas de crise majeure du centre informatique. Ce document contient des informations relatives aux responsabilités pour la bonne mise en application du PRA et de son suivi, aux applications métiers exploitées par la structure, au plan de sauvegarde des données contenues dans le système d'information de la structure, aux procédures de fonctionnement des applications en mode dégradé, et les procédures de retour à la normale, aux modalités de redémarrage du système d'information en cas de panne, à l'information des utilisateurs. Dans le cadre d'un projet de mutualisation, le PRA doit permettre de définir les rôles et responsabilités et de définir les processus en cas de problème survenant dans le SI. Nous souhaitons aborder un troisième et dernier sujet avec vous, comment embarquer les acteurs métiers dans un projet de mutualisation. Un accompagnement au changement est indispensable pour la bonne appropriation des outils numériques et la formation des professionnels à l'utilisation des outils numériques dans la durée est une nécessité.
Souvent omise ou sollicitée tardivement, la conduite du changement se pense et se déploie au même moment que le projet SI, puis continue de vivre, de s'affiner et de s'ajuster au fur et à mesure de ses évolutions. En synthèse, on peut noter une articulation entre projet SI et conduite du changement dès les phases amont, une articulation entre la gouvernance de l'établissement, de l'OG, de la DRAP, pour garantir son alignement avec les objectifs stratégiques, un suivi de l'évolution des usages au travers d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs, un enjeu dans la durée de formation des nouveaux utilisateurs et de maintien des bons usages. La NAP a élaboré un kit d'accompagnement du changement sur lequel vous pouvez vous appuyer. L'accompagnement du changement se réalise à toutes les étapes d'un projet SI, comme le montre ce schéma. Quatre temps. La mesure de l'intensité du changement. L'analyse des populations impactées et la préparation, la structuration de l'accompagnement du changement. La gestion du changement. Et enfin, l'évaluation de la démarche d'accompagnement. Nous avons pu aborder avec vous trois sujets de manière approfondie. En quelques idées clés, que retenir de cette présentation? Le webinaire vous donne des éléments d'éclairage. Pour aller plus loin, vous pouvez vous appuyer sur des outils et des méthodes préparées par la NAP. Quatre en particulier pourront vous être particulièrement utiles. Le document mutualisation et externalisation des SI de santé. L'autodiagnostic, quelles compétences pour l'équipe SI d'une structure médico-sociale. Le kit de conduite du changement. Le plan de reprise d'activité du SI. La NAP continue à enrichir son offre à destination du terrain et des kits dédiés aux acteurs du médico-social sont disponibles. Si vous ne deviez retenir que quelques idées clés, voici les grands messages. La mutualisation peut prendre plusieurs formes, tout dépend du besoin. La mutualisation est une nécessité pour pouvoir disposer d'un SI répondant aux attentes des utilisateurs et aux exigences des SI de santé. Il faut commencer par des choses simples. Échanger avec ses pairs, c'est déjà une première étape importante de partage d'expérience. La mutualisation est un projet qui doit être piloté par des instances de gouvernance adaptées et qui doit embarquer les acteurs métiers. Quelques bonnes pratiques. Une stratégie à poser, des objectifs de mutualisation à poser, une démarche projet à définir en fonction des objectifs, une équipe à mobiliser et des acteurs métiers à embarquer. Le retour classique suite à des webinaires, c'est souvent intéressant, mais bon, moi dans ma structure, j'en fais quoi? Voici une liste des premières actions que vous pourriez mettre en œuvre dans le mois qui suit ce webinaire. Échangez avec votre directeur de structure sur votre contribution à la démarche de mutualisation au sein de votre structure. Prendre connaissance des outils ANAP pour monter en compétence sur le sujet de la mutualisation. Identifier les opportunités de mutualisation au sein de votre structure ou qualifier les opportunités suite à votre échange avec votre responsable SI ou votre directeur de structure. Identifiez les sujets sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise et sur lesquels vous auriez besoin d'être épaulé et les partager avec votre responsable. Prendre contact avec votre collectif SI médico-social. À horizon 5 mois, ces actions vous permettront d'aller encore plus loin. Décrire la manière dont vous allez réaliser, contribuer à la réflexion sur la mutualisation. Proposer l'approche à votre responsable SI ou votre directeur de structure. Présenter la démarche à l'équipe que vous souhaitez mobiliser. Et lancer les travaux. Formaliser une note de réflexion sur les opportunités de mutualisation et faciliter la validation de la démarche. Enfin, organiser des temps d'échange pour vous assurer de l'adhésion des acteurs concernés à cette démarche de mutualisation. N'hésitez pas à revenir vers la NAP si vous avez des questions pratiques. Votre ARS, GRAD et collectif médico-social sont également des interlocuteurs pour répondre à vos questions. Ainsi s'achève cette partie théorique. Nous attendons nombreux pour le prochain webinaire. Merci de votre attention et à bientôt.